Demandez-moi systématique des droits humains. Ils ont commencé par l'écrasement des droits d'asile. Et puis, les droits des étrangers non européens. Et encore hier, ils vont encore supprimer les droits des citoyennes et citoyens de l'Union européenne. Un peu trop. Non. Nous ne voulons plus ça. Comme si ce n'est pas suffisant. Il commence encore avec la politique des divisions pour mieux gouverner. Ils essaient de monter les uns contre les autres. Les requérants d'asile contre les étrangers établis. Ils veulent aussi que les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qu'ils aient des problèmes avec les étrangers des pays tiers. Mesdames, Messieurs, cette politique de division, nous ne le voulons pas. Et nous devons la débattre. Nous devons le combattre toutes et tous ensemble. Nous devons soutenir l'unité et non pas la ségrégation. Il est faux de mettre l'accent sur nos différences. Nous devons plutôt chercher à mettre l'accent sur la chose qui nous réunit ensemble. Et ce qui nous réunit ici sur cette place, ce sont des valeurs communes pour lesquelles nous nous luttons. Nous luttons toutes et tous pour le respect des droits humains contre toute forme de discrimination. Nous voulons enfin en Suisse une loi contre la discrimination. Pour venir en Suisse à cause d'un certain contingent de réfugiés. Ils fuient parce qu'il y a un problème, parce qu'ils doivent sauver leur vie. La Suisse dispose d'une tradition humanitaire et nous devons préserver cette tradition. La Suisse doit rester ouverte pour toute personne qui cherche l'abri chez nous. Il est inacceptable et indigne que notre pays d'état de droit et démocratique continue à diviser les familles. Cette politique des saisonniers qui divise la famille contre leur père et leur mère. Nous ne voulons plus ça en Suisse. Please. Les travailleurs et les travailleurs étrangers en Suisse, nous ne sommes pas des marchandises. Nous sommes des hommes et des femmes avec des besoins humains. Nous tous, nous contribuons dans l'économie, dans la vie sociale de ce pays. Et nous exigeons d'être respectés. Si nous voulons une Suisse ouverte et solidaire, nous devons lutter toutes et tous ensemble. Maintenant, et ne pas nous laisser diviser. Si aujourd'hui mon voisin est discriminé, demain ça peut être moi-même. Et c'est pour ça que je ne laisse même pas que ça passe aujourd'hui. Luttons-nous ensemble. Chers amis et chers amis d'une Suisse ouverte et solidaire, les droits humains.
humains sont indivisibles. Ils s'appliquent à toutes et à tous, aux Suisses comme aux étrangers, aux blancs comme aux noirs, aux ressortissants de l'Union européenne comme les ressortissants des pays tiers. Il n'y a pas de frontières pour ce droit. Et je vais terminer par ce proverbe africain que je vais vous enseigner aujourd'hui. Et je vous assure, c'est très beau. Ce proverbe dit, si le lion n'écrit pas lui-même son histoire, le chasseur va écrire son histoire pour lui. Et si vous laissez un tiers d'écrire votre histoire, vous en êtes sûr, vous n'allez pas avoir l'histoire que vous voulez. C'est pour cette raison que je vous appelle toutes et tous. Nous devons toutes et tous écrire notre propre histoire, pas nous-mêmes, tous ensemble, parce que les tiers ne peuvent jamais faire ça pour nous. Écrivons-nous cette histoire ensemble, luttons-nous ensemble, afin que nos droits puissent être enfin respectés dans notre Suisse de l'état de droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céleste. Merci pour cette dernière déclaration. For the anxious, got a deep responsibility for your actions. Swiss life, Swiss cash, living big or small, we all live by the weather. Some wanna rob the bank and make it rain papers. Others hustling on the streets for some free papers. I put my ass to work for some clean paper. No matter what turn you take, it's just one time.